Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce matin, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, comme à tous les vendredis, Pierre-Luc. Bon vendredi à vous. Très heureux de vous retrouver ce matin. Ce matin, je vous dis une chose et unique chose. Laissez les autres changer votre vie. Laissez un pur inconnu, une pure inconnue, changer votre vie. Je pense que n'importe qui peut être un donneur de sens dans notre vie. Puis je vous dis ça parce que je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, là. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a dit quelque chose, et je ne le connaissais même pas, mais ça l'a changé les choses. Et je pense qu'on n'est pas alerte, je pense qu'on n'est pas à l'écoute, je pense qu'on n'est pas assez ouvert, on n'a pas nos antennes ne sont pas assez déployées pour capter quiconque dans notre vie, qui croise notre vie, pourrait la changer. Je vous donne trois exemples de la mienne, puis je suis sûr que vous allez vous reconnaître, là. D'abord, un premier exemple, j'enseigne à l'école secondaire et de temps en temps dans mes classes, je veux juste parler du fait que moi, j'étais un décrocheur qui s'est raccroché, puis je suis revenu à l'école, j'étais allé à l'école des adultes, puis je suis devenu enseignant. Et j'en parle simplement parce que je vois des élèves peu motivés dans mes classes, surtout des gars. Puis je leur dis, les gars, je sais que je suis un enseignant, mais je sais ce que vous vivez présentement. Et là, je vois que les élèves, certains élèves sont impactés positivement par ça. Assez qu'un élève, à la fin d'un cours, vient me voir, dit « Monsieur, c'est incroyable votre histoire, vous devriez la partager, vous devriez faire le tour des écoles, au moins en tout cas, puis dire ça, ça ferait du bien. » Il a fait naître en moi à ce moment-là, ce jeune-là, que je ne connaissais pas tant que ça, le désir de devenir un conférencier sur la persévérance scolaire. Comme ça, c'était fait. C'est pas Barack Obama qui est débarqué, là. J'ai pas reçu un courriel, je sais pas moi, de grand inspirateur. C'est un élève qui, à la fin de la classe, est venu me remercier puis a dit « Tu devrais faire des conférences. » Et je les ai fait. C'est quand même incroyable. Pas trop longtemps après aussi, il y a un élève, à l'époque, je travaillais au cégep. Je travaillais comme animateur de pastoral. Puis il y a un élève qui vient me voir et qui commence à discuter avec moi. Il dit « Hey, toi, là, je t'écoute parler, tu devrais enseigner à telle école. » Et là, il me dit, l'école secondaire de Bromptonville, c'est du monde comme toi qui te ressemble. Et là, je fais, ah ouais, tu penses? Laisse-moi juste envoyer un courriel au directeur. Le lendemain, j'avais une entrevue, c'était plus une rencontre qu'une entrevue, puis j'étais engagé dans cette école-là comme enseignant en éthique et culture religieuse, puis animateur de pastoral. Ce qui m'a fait rencontrer l'autre élève pour que je devienne conférencier. Vous me suivez? Je fais exprès parce que il y a des situations comme celle-là qui nous emmènent, ça déboule. Mais j'étais à l'écoute. On dirait que j'ai toujours été comme, ah, c'est-tu de la chance? La providence, oui. Mais c'est plus que ça, je pense qu'il y a quelque chose comme en nous, on peut activer ce muscle-là. Tout récemment, je parle avec une fille super sympathique. Là, elle organise là, toutes sortes de choses dans son milieu. Puis à un moment donné, elle me dit, en tout cas, cette fille-là, je la connais pas beaucoup. Puis elle me dit, faut que tu rencontres quelqu'un, il te ressemble. Et je rencontre ce gars-là, et ce gars-là, super sympathique, on part un projet ensemble. Et même une entreprise. Et là, au bout du compte, je dis à ce gars-là, ça fait déjà quelques mois de ça, je dis « Hey, ça a commencé quand même par Caroline, celle qui nous a présenté. Une chance qu'elle a été là. » Puis il me dit « C'est qui, ce Caroline? » Bien, « C'est-tu une amie? » Je dis « Non, c'est une fille que je connais. » Mais par elle, il y a eu ce geste-là qui a été posé. Soyons alertes. Soyons des donneurs de sens qui peut changer la vie de n'importe qui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame du Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charan sous le thème Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos. Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chanson, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines. Vous savez qu'on dit qu'au mois de mai, on dit que c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Alors, en ce mois de mai, il s'agit d'un beau chapelet. Il s'agit du chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal et orné de toutes petites roses. Et comme toujours, il est déjà béni. Ce qu'il y a de spécial avec ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fait en usine. Il est fait dans la prière par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que, de cette façon, elles peuvent aider des enfants qui sont dans le besoin à Mexico. Alors, ce qui est bien, c'est que vous faites d'une pierre deux coups, finalement. Vous aidez la victoire de l'amour, mais vous aidez aussi une communauté à aider les enfants les plus démunis à Mexico. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, la victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, il y a des gens qui sont inquiets parfois que les sites internet, notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger lorsque vous faites votre don par notre site internet. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie et merci aussi et surtout de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel-Marie. C'est un vrai bonheur que de vous retrouver ce matin. Partageons ensemble l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mes frères bien-aimés, si vous saviez comme je suis heureux de pouvoir une fois encore traverser avec vous ces paroles de Jésus que nous venons d'entendre et qui nous disent l'orientation, l'atmosphère, le climat dans lequel nous devons nous mouvoir et les actes aussi que Dieu attend que nous posions. Le commandement, le grand commandement du Christ, c'est le commandement de l'amour, nous le savons bien, Dieu étant lui-même l'amour. Oui, Dieu est amour, dit le Christ, ou si vous préférez, l'amour est Dieu. Et il veut que nous vivions d'amour, et pas seulement d'eau fraîche. En fait, en nous demandant de vivre par amour et pour l'amour, il ne demande pas l'impossible, car nous avons été créés pour aimer. Vous ne sentez pas en vous cet appel à l'amour? N'êtes-vous pas malheureux dès qu'autour de vous l'amour n'est plus honoré? N'êtes-vous pas perdu quand un ami vous abandonne, quand une amitié se meurt, quand plus personne ne vous entoure de sa tendresse, quand votre femme ou votre mari vous lâche pour un autre ou pour une autre, mais bien sûr que vous êtes malheureux
que nous sommes malheureux. Nous avons été créés pour être aimés et pour aimer. N'oublions pas cette grande vérité. Ou plus exactement, il faudrait dire que nous avons été créés pour nous aimer. Et il y a fort heureusement plusieurs manières d'aimer. Vous avez d'abord l'amour amoureux, qui est une merveille, mais il n'est pas offert à tous les hommes, et donc à toutes les femmes, bien sûr. Bien des êtres ont désiré un amour exclusif sans jamais le trouver. Deux yeux qui se regardent, qui se plaisent, qui s'attirent, deux mains qui se touchent, deux corps qui s'unissent, c'est très grand. Et c'est une vraie source de bonheur, mais que faire? Beaucoup de personnes restent sur le carreau. En soi, eh bien, je vous le dis bien simplement, ne vous découragez pas, cet amour amoureux demeure toujours possible, quel que soit l'âge des personnes. Et il faut y croire, il peut surgir et surprendre. Si vous en rêvez, c'est que le Christ le veut peut-être aussi pour vous, cet amour. Il existe aussi, grâce à Dieu, l'amour d'amitié, qui appartient également à l'univers des sentiments. C'est un amour qui ne connaît pas le secours d'un quelconque contrat. Pas de mariage, pas de pax, pas de notaire. C'est l'amitié, tout simplement, avec ses joies, celle de se retrouver régulièrement, de partager ce qui fait la vie de l'un, de l'autre, et aussi, sans doute, certaines passions communes. Eh bien, ce type de lien réjouit le cœur du Christ. Il l'a lui-même vécu avec ses apôtres, avec Lazare, avec Marie-Madeleine et avec Marthe. Ne négligeons donc pas l'amitié qui a été pensée par le Christ lui-même quand il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Alors, parmi toutes ces amitiés, qui ne peuvent d'ailleurs pas être très nombreuses, car l'amitié exige du temps et de l'implication personnelle, un ou deux liens peuvent dominer et combler profondément la soif d'amour qui nous habite. Jésus a mis en valeur cet amour en le vivant avec saint Jean. Celui-ci, comme vous le savez, est devenu son confident, son plus proche complice, celui qui a reçu ses secrets les plus chers et qui, en bouquet final, héritera de sa mère. N'ayons pas peur de vivre une amitié plus totalisante, plus polarisante. Je vous rappelle encore une fois que nous sommes faits pour aimer et pour l'être en retour. Enfin, il y a l'amour que j'oserais qualifier de gratuit, un amour qui se dépense sans compter pour le bien des autres et qui se décline en mille initiatives de générosité. On offre son temps, on offre son argent, on offre son soutien, on offre son aide pour que d'autres soient heureux. Et là encore, nous vivons pleinement la parole de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres ». Donc, à chacun sa manière. Aussi, laissez-moi vous le dire, qui connaîtrait dans sa vie ces trois lumières, l'amour amoureux, l'amour d'amitié et l'amour gratuit, serait un sacré chanceux. Bon, à chacun sa route, plus ou moins complète. En ce domaine de l'amour, faites ce que vous pouvez, mais faites. Aussi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et continuons de nous aimer. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes vendredi, alors je vous rappelle que pour ceux qui le veulent, d'une façon virtuelle, cet après-midi à 15h, 3h de l'après-midi, tous ensemble, un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Vous savez que Jésus nous dit dans l'Évangile, là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux et moi j'y crois profondément. Alors, cet après-midi, 15h. Ce dimanche, je reçois avec beaucoup de joie une maman, Nathalie Renaud, qui a eu la douleur de perdre sa fille, malheureusement par une overdose. Et vous allez voir l'histoire, c'est inimaginable de voir comment il y a de jeunes qui souffrent de nos jours à cause des drogues, à cause de l'alcool, bon, peu importe. Mais vous allez voir aussi l'espérance d'une mère, une maman qui a un cœur d'or, inimaginable. Alors, ne manquez pas ça. Ce dimanche, parlez-en autour de vous. Et celui qui fait l'homélie, c'est le curé de la rue, l'abbé Claude Paradis, qui sera avec nous également. Et une très, très belle chanson de Nicolas Ciccone. Alors, ne manquez pas ça ce dimanche. Bye bye. C'est le cannabis qui a déclenché la psychose, probablement, qui était dans la faible proportion des personnes à qui ça peut arriver. Et le fait qu'elle allait pas bien.
ça l'a fait déclencher la maladie mentale que je ne connais pas encore aujourd'hui, malgré qu'elle est décédée.